Si je vous dis les Alpilles, vous me répondez parc naturel régional, les Baux, Saint-Rémy, Mouriès. Pourtant, nous sommes au cœur de ce massif, dans un village qui a su rester authentique. Oreille, alors comment ce petit village a-t-il réussi à éviter le tourisme de masse? Élément de réponse. Oreille est le village le moins peuplé des Alpilles. 1500 habitants vivent ici. Et pour bien comprendre le lieu, quoi de mieux qu'un ethnologue? Nous avons rendez-vous avec Jean-Noël Pelin. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Jean-Noël loge dans ce mât depuis près de 50 ans. Il est l'auteur d'ouvrages de référence sur ce village et la Provence. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit ici à poser vos valises en 1976? Alors, c'est une petite anecdote qui fait qu'un ami m'a dit, Richard Butler, qui était conseiller municipal, m'a raconté qu'à Oreille, quand on traversait le village, on entendait encore les gens qui ronflaient dans les maisons. Ça vous a plu, ça? Oui, alors je suis venu vérifier, et effectivement, on entendait les vieux qui dormaient encore les fenêtres et les volets ouverts, tranquilles, sans la peur d'être assassinés, et qui ronflaient parce qu'ils étaient anciens. Ici, le temps s'est comme arrêté. L'immobilier n'a pas grignoté les terres agricoles. Une volonté politique, mais pas seulement. Je pense aussi qu'on a la chance d'avoir un grand propriétaire à Oreille, Louis Arlot, qui possède beaucoup de terrain et qui a eu la conscience du côté précieux de ce territoire et qui a aidé aussi à le préserver. Louis Arlot, le voici. À 88 ans, l'homme a toujours bon pied, bon œil et surtout une vivacité d'esprit incroyable. Sa famille est installée ici depuis un siècle. Je sais pas, j'ai peut-être manqué un peu de modestie, mais je possède quand même une bonne partie des terres du village et j'ai évité d'en tirer le profit maximum. Voilà. Donc ça a évité l'inflation des constructions. Bon, voilà. Et vous faites tellement attention. Non, il n'y a pas que ça, hein, parce que tous les gens du village, on pratique quasiment la même réflexion. Sans enfants, Louis Arlot et son épouse décédée depuis ont aussi décidé de confier la gestion de l'ancien moulin au cœur du village à une association culturelle. 15 bénévoles y travaillent activement. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce moulin? On va faire un lieu de vie pour les Oreillois avec, dans la salle où nous sommes, un lieu où on pourra organiser des manifestations privées et publiques. Et puis à l'étage, on a l'idée de développer le coworking pour essayer un petit peu de diversifier les activités du village et peut-être rajeunir un peu sa population. Le permis de construire est en cours de demande. Le projet nécessite encore un peu d'aide financière. Il devrait voir le jour d'ici un an ou deux. Dans le haut du village, nous retrouvons Patrick Stantina, amoureux du lieu. Il y a posé ses valises en 2021. Alors, est-ce que vous avez été bien accepté? Parce que j'ai l'impression qu'ici, on habite de génération en génération. Et vous, avec l'étiquette, entre guillemets, parisien, ça l'a fait quand même? C'est vrai. En même temps, je crois que c'est aussi une démarche d'intégration. Que ce soit mon épouse, ou Béatrice ou moi-même, on participe tous à plein d'associations ici. Et puis, je m'implique dans un projet de photographie du village. On a une lumière extraordinaire, donc c'est vrai que pour un photographe, c'est génial de pouvoir travailler dans des environnements comme ça. Bon, et je crois que vous avez voulu nous emmener du côté des jardins partagés, justement pour prendre quelques photos. Allons-y. On y va. C'est bon pour moi. Ouais, superbe. En plus, on voit bien les légumes, là, c'est top. À l'extrémité du village, au pied de l'ancienne gare désaffectée depuis des décennies, avec beaucoup d'enthousiasme, Pierre Gallas a créé et fait vivre le jardin partagé d'Oreille. 50 familles viennent ici retrouver le sens de la terre pour quelques euros symboliques par an. Il y a un lien social qui s'est créé et également des liens d'amitié qui se sont faits avec le temps, puisque plein de personnes ont adhéré à notre projet, qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on ne se croisait pas forcément non plus dans le village. Et avec le temps, on est devenus amis, puis on travaille ensemble, parce que c'est un plaisir de faire le potager, mais il faut penser qu'avant tout, c'est beaucoup de travail en amont, quoi. C'est notre dépresseur.
C'est le moment où justement on vient pour récolter notre fruit de notre travail en amont. Et c'est vraiment super, quoi. C'est une aventure humaine superbe. Et puis pour terminer, sachez qu'il existe à Aurail une primaire et une maternelle. 152 enfants y vont à l'école. Une belle promesse pour l'avenir.